Ils ne souhaitent pas agrandir leur famille. Heureux parents d'Archie et Lilibet, Meghan Markle et le prince Harry ont fait le choix de ne pas avoir d'autres enfants après la naissance de leur petite dernière. Alors qu'ils ont fait le choix de limiter leur famille à deux enfants, le duc et la duchesse de Sussex ont reçu un prix dans le cadre de la Journée mondiale de la population des Nations Unies. L'association caritative britannique Population Matters a ainsi salué leur décision et indiqué qu'une petite famille est aussi une famille heureuse. Un porte-parole a déclaré, en choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles. Alors que le fait de ne pas avoir une famille nombreuse a également un impact sur l'environnement, le porte-parole de l'association a ajouté, avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s'épanouir sur une planète saine. Si le couple vient de recevoir ce prix, le prince Harry avait déjà fait part de son intention de n'avoir que deux enfants par le passé. Dans un entretien accordé à Vogue en 2019, il avait en effet confié, « Je pense que nous aurons deux enfants, au maximum. Ce que nous devons rappeler à tout le monde, si est que ces choses ne sont pas de la science-fiction, ça se passe aujourd'hui, maintenant. Nous vivons ces bouleversements. Cette situation écologique est d'autant plus terrifiante que nous venons d'avoir un bébé. Cela rend les choses différentes. Je vois les choses autrement aujourd'hui que je suis père. Meghan et Harry sont des parents comblés 2 ans après la naissance d'Archie, si est-il le 4 juin 2021 que Lilibet a pointé le bout de son nez. Heureux d'avoir agrandi la famille, si est-il lors des Well Child Awards que le prince Harry avait confié il y a quelques jours en évoquant sa fille, nous avons eu de la chance jusqu'à présent, elle est très détendue et semble heureuse de rester assise pendant qu'Archie court partout comme un fou.